Yo tout le monde, c'est Gunshow de la FMS Team. Aujourd'hui je suis sur H1Z1, le jeu qui, comment dire, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Donc voilà, parce que c'est un très bon jeu MMO, on va dire un peu sur survival quand même, parce qu'il y a pas mal de dangers sur ce jeu. Donc voilà, comment dire, c'est juste une petite vidéo pour vous dire que voilà, sur ce jeu on va passer pas mal de temps avec la team et qu'on va faire pas mal de vidéos dessus. On va essayer du moins. Donc voilà, je peux juste vous montrer à peu près notre campement qu'on a établi dans une montagne de notre chère map avec l'actuelle. Enfin actuelle quoi. Voilà pourquoi ça ressemble à ça dans tout chez nous. Nous avons fait un petit garage pour nos chères voitures que vous voyez là. Notre campement est vraiment sécurisé. On essaie de bien clôturer notre petite base pour que personne de mal intentionné nous pique nos véhicules et tout. Voilà, apparemment ça marche bien parce qu'on l'a fait, on essaie de se barrer avec, ça marche pas. Donc voilà notre caisse quoi. Bon, pour info, les voitures de flics sont assez rares. Donc si vous avez une, gardez-la. Parce qu'elle est vraiment rapide. Donc voilà, c'est notre petit campement. Bon, je vous montre un peu le menu. Pour ceux qui connaissent pas le jeu. Enfin, vous avez dû voir peut-être. Donc voilà, ça se présente comme ça, je vais crever de faim si je mange pas. Donc je vais vite vous faire le machin. Prendre un petit bandage, si jamais. Je perds un peu de vie là. Alors, niveau. Enfin, ça se présente comme ça le menu pour l'instant. Enfin, c'est actuel. Pour le menu craft, comme ça, il y a beaucoup de craft actuellement. Donc voilà, après ça demande des ressources pour récolte. Casse des voitures pour récupérer du métal. Scrap metal, c'est la ressource qui fait le plus bouger dans ce jeu. On utilise uniquement, enfin, pour tous les crafts certes, mais on peut le récolter uniquement en ville, sur des caisses quoi. Des caisses mortes bien sûr. Avec un pied de biche. Ouais, ça c'est bizarre quand même. Donc voilà, et pour tous les... savoir tous les crafts, c'est là en fait on met par exemple un tissu avec un woodstick ou un autre truc, un autre élément, et on peut avoir connaître de nouvelles recettes. Donc voilà, il n'y a pas de zombies pour montrer notre véritable menace entre guillemets qui va être accentuée sur ce être infâme, parce que pour l'instant je trouve que c'est plus accentué sur le PVP vu que la plupart de toutes les morts dans ce jeu c'est à cause de méchants pas beaux humains qui nous tuent sans cesse. C'est assez énervant. Donc voilà. Bon, après c'est notre survie, mais c'est un peu chien galeux quoi. Il voit un mec sans arme, tu as vu. Mais bientôt dans certains des blogs de ce jeu, il y aura... Enfin du moins j'ai vu l'équipe, on a pu voir que ils ont rajouté le modèle des armes apparentes sur le personnage. Donc en gros bientôt on pourra voir les armes que vous avez équipées sur vous. Quand on peut pas mettre un fusil à pompe ou un snipe ou la M4 entre guillemets qui prend beaucoup de place, on sera équipé dans le dos, sur les côtés pour les armes à feu à main. Donc même l'arc à mon avis sera posé derrière tout. Voilà. Bientôt on aura des possibilités de costume, enfin pour choisir sa gueule. Voilà. Ce sera pas mal. Après il y a plein de choses. Au pire je mettrai un lien pour les devlogs de ce jeu. Plus quelques liens et voilà. Voilà, soit tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop bâclée. Donc là, je donnerai plus d'informations, enfin sur d'autres vidéos et plus
vidéo en team, on va faire plein de trucs comme ça, donc voilà. Donc voilà, bye bye sur ce. À bientôt, bon jeu.